L'ambiance est détendue et pourtant dans quelques heures, Florian Lacatte et Arthur Rinderknecht joueront sur les cours de Roland-Garros. Ces deux Yvinois de 22 ans ont bénéficié d'une invitation pour jouer sur ce tournoi du Grand Chelem en double. Une première pour un joueur du département depuis un certain Mickaël Yodra. On est très chanceux d'avoir eu cette wildcard en double et je suis vraiment impatient de vivre pleinement cette expérience de mon premier Roland-Garros. C'est génial, c'est top. Avec Arthur, on s'y attendait pas forcément, mais c'est vraiment un super cadeau et on va essayer de se concentrer à 100% pour en tirer le meilleur. Les deux tennismans qui dépassent les 1m95 ne sont pas venus pour faire de la figuration porte d'Auteuil. Les deux droitiers ont déjà travaillé sur leurs points forts et leurs points faibles pour préparer ce rendez-vous. Je dirais qu'on sert tous les deux très bien, donc on devrait être plutôt assez solide au service, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément les meilleurs retourneurs du monde, donc on va essayer de tenir le service et de breaker une ou deux fois de temps en temps pour gagner quelques matchs. Je pense qu'on est assez complet, on se connaît depuis qu'on est plus petit, on a joué ensemble pas mal de fois, donc je pense que notre force ça va être la cohésion d'équipe et la bonne entente. Premier match pour ce duo yvelinois ce mardi 29 mai contre la paire australo-georgienne John Millman-Nicolas Basichvili. La rencontre est à suivre à partir de 11h du côté de la Porte d'Auteuil.